Yves, Magali Picard, elle, la présidente de la FTQ, c'est pas le défilé quand vous l'avez rencontrée à l'aéroport plus tôt ce matin, là, de retour d'un voyage express à Dubaï. Absolument pas. Sophie, je l'attendais quand même vers 7h45. Oui, il était tôt ce matin. Je ne l'ai pas ménagé. J'avais de bonnes questions corsées à lui poser parce que, comme le soulignait Claudie, les syndiqués ou plusieurs syndiqués questionnaient la pertinence de sa présence à Dubaï à cette COP28, cette conférence sur les changements climatiques. Et certains syndiqués, plusieurs, estiment que sa place, elle est ici au front, au Québec présentement. Ce qu'elle m'a dit, puis elle s'est défendue tantôt, Sophie, en me disant qu'elle était capable de gérer deux dossiers prioritaires, soit l'environnement à Dubaï, et continuer par Zoom, par exemple, de discuter avec les négociateurs qui sont à la table. On va écouter un extrait de cette entrevue. Qu'est-ce que vous dites aux syndiqués ce matin qui sont mécontents de vouloir partir pour Dubaï alors que ça brasse sur le plan syndical au Québec? Je vais être très honnête avec vous, là. Bon, tout le monde sait que je suis étonnée. J'ai fait une vidéo hier, ma position n'a pas changé. Ce que je dis aux syndiqués, c'est que là, je suis de retour. Je veux quand même leur dire que je sois ici cette semaine ou à la COP28, là, le même travail va se faire. Il n'y a rien qui va changer du fait que je suis à Québec maintenant, autre que le fait que je ne serai pas la porte-parole des 600 000 personnes qu'on représente à la COP28. Mais vous trouvez que ça se négocie bien de Dubaï, des négociations syndicales au Québec? Vous trouvez que ça se fait, ça, par Zoom? Parce que les gens veulent vous voir comme présidente sur le terrain. C'est là que ça compte, selon nous. Bien, puis c'est pour ça que je suis de retour. Hein? C'est pas une cachette. Premièrement, Si les gens n'avaient pas chialé, vous seriez encore là-bas. Là, je comprends bien. Laissez-moi terminer, d'accord? Je ne suis pas aux tables de négociation. Il faut bien comprendre ça. Les quatre dirigeants du Front commun, c'est pas nous qui négocions. On a des équipes de négociation. Donc, la négociation, elle continue comme elle se fait depuis un an. Avant même mon arrivée comme président de la FTQ, les négociations avaient commencé avec Québec. Quand même, la patronne, on s'entend là-dessus. Bien, là. Oui, puis c'est pour ça. Puis je vous le dis, là, moi, cette semaine, on avait tout analysé ça. Hein? La COP, là, c'est très important. C'est un dossier prioritaire à la FTQ, l'environnement. Ouais, mais au moment où on se parle, c'était-tu vraiment pertinent, Mme Picard, que vous soyez là-bas? Là, soyez honnête avec vous. Ah, je suis très honnête avec vous. Pensez pas que je suis partie de là sur un coup de tête. Là. Je devais revenir le 9 décembre. Ce qu'on a fait, c'est que parce que cette semaine, on n'a personne dans la rue. Vous savez, là, on a envoyé les avis négociés hier. On a 10 jours ouvrables avant d'avoir le droit d'être dans la rue, ce qui nous mène au 8 décembre. Moi, j'ai changé mon vol la semaine passée pour revenir dimanche à lundi et j'ai maximisé tous les ateliers que je devais faire sur deux semaines en une semaine pour être capable de faire les deux.